Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Boualem Sainte-Salle, islamisme, immigration et impérialisme. Seconde partie. Juste sur la question de l'immigration, c'est comme une question intéressante. Pourquoi, d'après vous, nous avons ces générations-là qui opèrent finalement un retour aux sources et entrent en sécession avec la culture locale, la culture française ? Ils se disent non-français, ils se disent algériens, alors qu'ils ont la double nationalité, ils se disent marocains pour la même raison. Ils refusent de se reconnaître en tant que français. L'explication, vous la connaissez, c'est le regroupement familial. Tant que le bonhomme est seul... il débarque ici, et il a besoin de vivre un peu comme tout le monde, et ben en même temps ça le sécurise, et surtout qu'il commence à être pris en charge par les syndicats, et donc ils ont très tôt compris que... en plus ils ont mis en place des dispositifs très très formidables, moi j'ai trouvé ça formidable, j'ai beaucoup étudié cette question. Les syndicats, dans je sais pas, n'importe quel syndicat... Les Algériens de cette génération allaient voir le syndicat, puis ils disent « Patron, ce serait intéressant, si votre patron veut recruter, s'il vous plaît, recrutez mon cousin qui est à Alger, mon frère. » Donc, quand on regarde la situation de cette époque-là, dans les années 40-50, on trouve, dans telle ville, il n'y a que deux Sétifiens. Parce que les deux premiers étaient Sétifiens. Ils se sont entendus avec le syndicat qui a vendu la chose. Alors, c'est une garantie pour le patron, c'est formidable. Ils se comprennent, c'est la même famille, ils sont tous de Sétif, ils sont tous d'Oran. Et ça a fonctionné comme ça, formidablement. Donc il y avait les Sétifiens là, les Oranais là, les Marocains là, les Tunisiens là. Le marché d'Aligre, par exemple, était constitué en grande partie de Tunisiens d'origine kefoise, du Kef, en Tunisie. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Et alors, le regroupement familial, eh ben, il a... là aussi, c'est toujours le patronat, parce que le patronat, c'est plein. Il dit, écoutez, ils ont dit au ministre, au président, on reçoit des... dans nos émigrés, les nouveaux, hein. Ils viennent, ils travaillent 3-4 mois, puis ils disent « Ah, patron, je dois rentrer au pays, ma soeur se marie, ma tante est morte. » Il part, on lui donne une semaine de congé, il reste 3 mois. Mais entre-temps, on est obligé de recruter, de reformer, et ainsi de suite. Donc on passe notre temps à former des vagues qui... Et comment les retenir? Comment des contrats? Ils ne respectent pas les contrats, on leur fait signer des contrats. Mais quand il dit « Ma mère est morte, je dois rentrer au pays », on ne peut pas l'empêcher. Eh bien, fait devenir sa famille. Alors, ça a été une solution formidable pour le patronat. Ils ont fidélisé leurs ouvriers, ils les ont formés, ils sont devenus des ouvriers qualifiés, et tout, mais pas leur famille. Rien n'a été fait pour la femme qui ne parle que kabyle ou truc, et qui ne sort pas de la maison, et les enfants qui sont pris à l'école, et le football, les trucs, le quartier. Alors, on a trois cultures dans la même maison. C'est pas gérable. L'enfant, il rentre, il se comporte comme tous les petits copains français. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas aussi une difficulté de la part des nouvelles générations, des descendants d'immigrés, à s'intégrer à une société française et plus globalement une culture occidentale qui est, pour parler comme Castoriadis, en voie de délabrement. C'est-à-dire, nous sommes en face d'une civilisation occidentale qui est en train de... Oui, clairement. Est-ce que c'est pas aussi une difficulté pour ces personnes d'origine arabo-musulmane de changer de culture, en face de quelque chose qui est en train de se déliter? C'est hyper simple, là aussi, c'est la quantité. On peut intégrer une personne, on peut en intégrer deux. Mais des milliers, et puis qui se renouvellent tout le temps, des nouveaux et des nouveaux, dans une situation de déclin, de pénurie d'argent, et puis des montées un peu aux extrêmes, etc. Ça devient vraiment très mission impossible. Donc les gouvernements ont abandonné. Alors l'assimilation a été abandonnée déjà il y a très 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 longtemps. On a inventé la notion d'intégration, mais jusqu'où intégration, quoi? Juste dans l'univers professionnel, vous aimez la femme et les enfants et les trucs.
Ah ben, ça, on ne sait pas faire. Comment intégrer les enfants ? Ben, à l'école, oui, ils se comportent comme ses copains, mais en dehors, il est dans un milieu quartier, familial, et de temps en temps, ils vont au pays. C'est pas gérable, donc on n'a pas trouvé... voilà, et puis au départ, on est très différents les uns des autres, et donc ça, c'est très difficile. Et vous pensez qu'il y a réellement une césure culturelle très profonde entre le monde occidental et le monde arabo-musulman ? Oui, absolument, franchement oui. Il y a une vraie différence de civilisation qui est très profonde anthropologiquement. Oui, franchement. Non pas que les passages sont impossibles, il peut y avoir des conversions mutuelles, mais c'est difficile. Dans la cité, comme ça, on peut évidemment vivre à peu près de la même manière. On habite dans le même immeuble, mais dans la tête, non. Dans la tête, non. Franchement, il reste musulman, peut-être pas un musulman très machin, mais il est formaté. Et il y a plein de choses dans la société. Enfin, il y a beaucoup d'hypocrisie, par exemple, je ne sais pas, l'homosexualité, il y en a autant dans le monde musulman, peut-être même plus, hein. Il y en a autant, mais autant on ferme l'œil sur nos homosexuels, parce qu'on n'en parle jamais, donc voilà, personne n'en parle. Et puis on a un dégoût incroyable pour l'homosexuel français. Bah, peut-être parce qu'il s'affiche alors que les autres vivent en cachette, c'est caché, c'est pas. Et puis les évolutions, évidemment, l'homosexualité, bien sûr, mais plein de choses font que c'est assez dégoûtant, c'est assez. Mais alors, ça pose la question que beaucoup de gens se posent sur la motivation de la venue de beaucoup de Maghrébins en France, et particulièrement après l'indépendance algérienne. Quel intérêt de se rendre dans un pays dont en réalité les valeurs nous sont absolument étrangères ? Ben non, maintenant la question est réglée, parce que maintenant il quitte l'Algérie, il est à Little Algeria ici. Il s'est créé Little Égypte, Little Algeria, Little Tunis. Donc il arrive, et c'est comme s'il avait changé de quartier à Alger. C'est ça, c'est une continuité en fait. C'est une continuité, maintenant ça y est, c'est fait. Et puis c'est un islam qui est enraciné, c'est-à-dire c'est pas un truc, ils sont là, ils sont en train d'inventer leur propre islam. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France, et pas l'islam en France qui vient d'ailleurs, qui est là, qui peut éventuellement repartir. Même si maintenant on prend tous ces gens-là issus de la migration, qu'on les renvoie, cet islam de France est là. Il va rester. Le nombre maintenant de Français qui étudient l'islam, moi je suis étonné. Il y a 10 ans, 15 ans, je faisais des conférences, les gens me posaient des questions, qu'est-ce que c'est que le Coran ? Aujourd'hui, quand on parle d'islam, ils en savent trois fois plus que moi. Parce qu'ils ont deux, trois fois plus d'infos, de documents, d'accès aux trucs que moi. Qui peut inviter Gabriel Martinez Gros ? Nous, on n'a pas ça. Donc, moi, je suis vraiment très surpris. Quand je pense, il y a 20 ans, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais leur expliquer ? Bon, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce que veut dire musulman. Un truc. Maintenant, ils savent tout. Et vous pensez que c'est un progrès, au fond, de comprendre mais beaucoup, le monde musulman tombe sous le charme. Mais c'est vrai que l'islam a son côté charmant aussi. Hein. C'est une façon de vivre dans la simplicité, dans le truc. Ils ont aussi leur propre culture. Les Maghrébins adorent les fêtes religieuses. Ils ne sont peut-être pas croyants, mais ils ne louperont jamais l'Aïd. Ils ne louperont jamais le Ramadan. La famille, truc. C'est comme les Italiens. Les Italiens, vous l'amenez. Ou les Juifs, tiens, les Juifs. Il n'y a pas plus moderne qu'un Juif. Mais ils restent fondamentalement Juifs. Chez eux, c'est Hanouka et les trucs. Il y a beaucoup de Juifs assimilés également en France. Oui, mais même en étant assimilés, à la maison, ils sont d'abord Juifs. Le reste, ça s'arrête au palier, là. À l'intérieur, moi, j'ai plein de copains de Juifs. Et, encore, la mizouka à l'entrée, ils fêtent ça avec beaucoup, même s'ils n'y croient pas, mais ça devient culturel. Mais ça aussi, ça devient un peu une sorte de préservation de son identité, de son histoire. Parce que est-ce qu'on existe si on n'a pas d'histoire ?
En tout cas, vu qu'il n'y a plus l'histoire collective, il y a une hypertrophie des histoires individuelles. Voilà. Ouais, donc, moi, tout ça, je l'ai dit à Chirac 1000 fois, je l'ai dit à Sarkozy 10 000 fois, parce qu'on se voyait beaucoup, je l'ai dit à Hollande, je l'ai dit à Macron, je l'ai dit il y a 3 mois à Darmanin. Parce que aussi la France n'a pas agi. Là, ça a été les constats, tout simplement constats. Puis comme on s'est interdit tout un vocabulaire, les statistiques, machin. Et puis c'est ça qui est terrible. On a confié la gestion de l'islam aux musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire, on a dit, Mosquée de Paris, c'est à vous. Pour gérer les petits musulmans des quartiers, on a créé les grands frères. Donc, c'est votre religion, nous, on n'y comprend rien. Et puis, on veut pas. Et puis, c'est pas normal qu'un chrétien organise l'islam, quoi. Donc, faites-vous, nous, on ne sait pas, on vous fait confiance. Ben, oui, mais le recteur de la mosquée de Paris, c'est un fonctionnaire de l'État algérien. Donc, il reçoit ses ordres de là-bas. Bon, ça, c'est pas vraiment un islam de France, c'est un islam. Algérien, non, au niveau de la mosquée de Paris, c'est l'islam en France. Mm-hmm. C'est l'islam algérien dirigé par le ministère du culte en Algérie. Le recteur est un haut fonctionnaire avec rang de diplomate. Il dépend des AE, du président. Et qui évolue aussi dans les parages des frères musulmans. Oui, bien sûr. Ben, les frères musulmans, ils ont capté tout le monde parce qu'ils ont aussi beaucoup d'argent. Et ils sont très intelligents. Moi, il y a plein de gens que il y a des signes aussi. Hein, ils ont une façon d'agir, on peut reconnaître. Ils se saluent comme ça, comme les scouts. Hein. Oui, il y a des signes de reconnaissance. Main, ou un truc comme ça, tac-tac. Parce qu'ils soupçonnent que vous êtes frère musulman, tac-tac. Et l'autre, il fait tac-tac. Donc, du coup... Non, c'est fini. Il y a maintenant les deux islams. Il y a l'islam en France, évidemment. Donc, les Marocains dépendent du palais. Hein. Les imams reçoivent de l'argent, ils reçoivent, etc. Ils mobilisent la communauté pour conserver l'amour du roi, la sacralité du roi, la sacralité du territoire du Maroc. Chez les Marocains, c'est très, très profond. C'est moins en Tunisie et en Algérie parce que nous sommes des républiques. Donc on a et puis nous en Algérie on est plutôt très bâtard donc on n'a aucune prétention. Les Tunisiens quand même restent c'est une vieille civilisation. Ce que les gens ignorent c'est que le Maroc c'est le plus vieil État dans le monde. Si on vous dit quel est le premier État dans le monde dans sa forme moderne c'est le Maroc. Il est né en l'an 1000 à Marrakech c'était l'empire des Almoravides. Et puis qui a été remplacé par l'empire des Almohades. Et la Tunisie est un parce que comme elle a été colonie allemande et d'abord parce que elle a été un foyer religieux de tout temps. Zitouna, comment s'appelle la grande ville sainte? Kairouan. Et tout ça. Et donc ils ont été en prise directe avec les foyers musulmans. Mais nous, on est des vrais bâtards. Nous, en Algérie, on n'a pas de... En plus, on a toujours été colonisés. L'Algérie n'a jamais existé. Oui, c'était une colonisation ottomane. C'était d'abord une colonisation arabe. D'abord, une colonisation carthaginoise. Donc, c'est les Phéniciens qui venaient du Liban. Ensuite, ça a été, pendant 4 siècles et demi, par Rome, avec une annexion, carrément, pas seulement une colonisation. Nous sommes devenus sujets romains. Et d'ailleurs, on a donné quelques empereurs à Rome. Hein. Caracalla, Septime Sévère, etc., etc. Ensuite, les Byzantins, parce que l'Empire romain s'est scindé en deux. Donc, on est passé de l'Empire romain d'Occident à l'Empire romain d'Orient, Byzance. Ensuite, conquis par les Allemands, les Vandales, qui nous ont laissé le verbe vandaliser. Et donc, c'est une tribu très curieuse. Et pendant un siècle et demi. Donc pendant un siècle et demi, on était vandales. Et la colonisation arabo-musulmane. Ensuite arrivent les Arabes. Les Arabes, ça n'a pas duré longtemps. Vraiment très peu. On croit que l'Algérie est un pays arabe. Il n'y a rien d'arabe en Algérie.
L'Espagne a été conquise par les Berbères, donc c'est Berbères, c'est les Berbères convertis et qui ont donc évidemment dépendé de Bagdad, qui se recommandait comme arabe. Mais très vite, les sultans, notamment l'Espagne, se sont affranchis du calife et ils ont créé le califat de Cordoue. Alors que le califat, c'est un seul calife pour l'ensemble. Ils en avaient marre de dépendre d'une capitale qui se trouve à 6000 km de là. Les messagers mettent 20 ans pour arriver. Et donc, un jour, celui qui était sultan a décrété que allez, c'est fini, je suis calife. Et puis, il y a eu beaucoup de guerres entre eux. Et donc, les peu d'Arabes qu'il y avait, ils ont tous été liquidés et ils se sont vite carapatés. Hein. Ils sont rentrés à Bagdad et à Damas. Et puis ensuite, les Arabes nous ont refilés aux Ottomans pendant 3 siècles. Depuis le 13e. Voilà. Alors, et puis, bon, il y a les Espagnols, et puis arrivent les Français. Voilà. Alors, précisément, je voulais profiter de ce détour par l'histoire longue que vous venez de nous dresser un panorama pour vous lancer sur un article que vous avez écrit il y a un an ou deux qui s'intitule « Où va la France ?» qui est en ligne, que l'on mettra dans les documents sur le site, dans lequel vous faisiez appel à la philosophie politique de Ibn Khaldoun pour décrire la situation. Ibn Khaldoun, un penseur médiéval d'origine maghrébine, voilà, et qui décrit une logique d'empire. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce propos que vous aviez développé dans cet article-là ? Déjà, Ibn Khaldoun est considéré maintenant comme l'inventeur, le père de la sociologie moderne. Hein. Et donc, il a passé sa vie à étudier ces choses-là, et il fournit une explication auquel aujourd'hui on adhère beaucoup. Enfin, tout le monde. Alors, il y a des nuances, bien sûr, mais on y adhère. C'est que comment les choses se construisent, c'est que à un moment donné, il y a un roi quelconque, enfin, un homme tout puissant, qui monnaie une chose. Il dit aux gens qui y habitent à côté, vous me payez et j'assure votre sécurité. C'est ça. Alors, donc on part de l'impôt. L'impôt est l'organisateur des sociétés, comme la société moderne, la société américaine. Tout vient de l'impôt, quoi. On abdique sa liberté en échange de la sécurité. Sauf que là, c'est au profit d'une minorité violente, qui est capable de défendre la société, voilà, qui elle-même est désarmée. Mais en quoi est-ce que ce schéma-là est pertinent pour comprendre la réalité d'aujourd'hui ? Mais parce que la société musulmane n'a pas évolué. N'a pas évolué. L'Algérie était française pendant un siècle et demi, mais on est resté sur des schémas de Ibn Khaldoun. Quand les Français sont arrivés, d'abord ils se sont occupés d'eux-mêmes. Donc voilà, on s'installe, blablabla, on construit des villes, des villages, on administre, on crée des répertoires, les grands ponts nommés, les montagnes, les forêts, les gens et tout. Et puis après, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qu'on regardait avec beaucoup de mépris. Donc c'est vrai qu'on était tombé vraiment au niveau zéro, hein, après le démantèlement du monde musulman, il n'y avait plus rien. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Donc la première chose, c'est de dire, bon, on va les renvoyer à la périphérie. Donc voilà, les Français ont occupé les plaines, là où il y a de l'eau, etc., etc., les forêts, et ils ont repoussé les habitants soit vers les montagnes où il n'y a rien, soit vers le sud, où à l'époque il n'y avait rien. Et donc, ils sont redevenus vraiment presque à l'état sauvage. Hein. C'est exactement ce que disait Ibn Khaldoun. C'est-à-dire que le gars qui refuse de payer l'impôt et donc qui est chassé de la ville, il retombe chez les Bédouins. Et de quoi il va vivre ? De la razzia, du pillage. Il se constitue en marge violente. Et ensuite, il devient tellement fort qu'il va proposer ses services au roi. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé avec la colonisation française. C'est plutôt des franges violentes qui ont fini par chasser le colonisateur. Donc quand les Français sont arrivés, ils ont chassé les...
Mais à un moment donné, la France, qui à l'époque ne connaissait pas Ibn Khaldoun, à un moment donné, elle a dit « Ces gens-là ne sont pas intégrables, on va les laisser se gérer eux-mêmes. » Donc l'Algérie est le premier pays au monde à avoir eu deux juridictions officielles. Il y avait le tribunal français sur la base de... Et en face, il y avait le tribunal musulman. Alors, la France avait décidé que tout ce qui relevait de tel domaine, notamment le pénal, relevait de la justice française. Et tout ce qui est droit familial, tribal, etc., c'est entre eux. Donc, c'est les cadis. Donc, on a reconstitué le système juridique du début de l'islam, du temps des califes et tout ça. Avec un traitement judiciaire différencié en fonction des populations. Et on applique la charia. Pas tout, parce qu'on peut pas couper pas les mains, mais c'est pas quelque chose pas loin aussi. Hein. Les châtiments corporels existaient. Et donc voilà. Alors, tous les habitants de ce pays sont émargés à cela pour ce qui est du pénal là. Et puis il y a eu des transferts quand même, des gens qui de là, parce qu'ils ont été à l'école, parce qu'ils ont été socialisés autrement par le travail, ont pu petit à petit rejoindre et s'intégrer complètement. Hein, donc, Oui, mais l'Algérie a fini par recouvrer son indépendance. Ouais. Devenir une nation souveraine, ce n'est pas du tout dans le schéma d'Ibn Khaldoun. Mais si, c'est complètement. La dictature, le régime algérien est un régime qui a... Vous considérez que c'est un régime qui est un empire en puissance? Oui, complètement. Il a dessaisi les gens de la ville de toute liberté. Donc il les a désarmés et il les a dessaisis de toute liberté. J'assure votre sécurité, c'est moi qui vous nourris et vous payez l'impôt et vous taisez. Et puis ceux qui ont refusé, c'est les islamistes et les révolutionnaires qui avaient goûté un peu à la culture française ou russe. C'est eux qui ont fait la révolution, c'est pas les Algériens qui avaient accepté le pacte Khaldounia. Je me soumets à sa majesté, il m'assure tout, la tranquillité, moi j'ai pas à me casser la tête. Et ceux qui ont refusé, donc qui ont été repoussés à la périphérie, ils ont été cherchés chez en Orient, l'islam, le truc, le djihad. En Algérie, on ne parlait pas de guerre, on parlait du djihad. Les combattants, on ne les appelle pas des combattants, on les appelle les moudjahidines. Donc c'était ceux-là, donc les bédouins, qui ont fourni 90% de la force de frappe pour combattre la France, avec des intellectuels proches qui avaient quand même qui est communiste, et surtout les communistes, qui est donc le schéma agite-propre, les ont récupérés. Les premiers maquis en Algérie, c'est pas ceux du FLN. On croit que c'est le FLN à partir du 1er novembre 54, mais pas du tout. C'était 20 ans auparavant les communistes qui ont fait de l'agite-propre chez les bédouins. Les gens des montagnes, les gens du sud, et qui leur ont dit ouais, voilà, rejoignez-nous, on va vous. Et c'est comme ça. Donc. Et vous considérez que ce sont ces marges violentes qui, aujourd'hui, sont des islamistes actifs en France et en Europe? Oui, absolument, oui. Y a une communauté, pourquoi il faut en profiter. En plus, c'est une communauté riche. Hein. Les Algériens, les musulmans de France, ils sont quand même 10 fois plus riches que leurs homologues algériens. Eux, c'est des euros qu'ils ont. Vous savez aujourd'hui qu'un euro en Algérie, c'est 250 dinars. 250 dinars. Il y a 30 ans, un euro égale un dinar. Maintenant, c'est 1 euro égale 250. Notre argent, c'est de la monnaie de singe. Ça vaut rien du tout. Ça vaut même pas un singe. C'est un discours qui surprend parce qu'en France, on est habitué au discours misérabiliste et victimaire des immigrés. Vous nous dites ils sont pleins de fric, l'Algérien, dans tous les domaines. Ce sont les privilégiés. Ils ont créé une économie. Alors évidemment, tout ce qui tourne autour de la religion, on vend des talismans, on vend le pèlerinage, on vend les tombes, on vend les transports et les trucs, avec une économie florissante. Toute l'industrie halal, où on fabrique des choses, on importe beaucoup de choses de Kabylie, du Maghreb, de l'huile d'olive, parce qu'on considère que notre huile d'olive est saine, alors que celle-là, elle est fabriquée par des chrétiens, donc elle n'est pas bonne.
et ainsi de suite. Donc il y a une économie hyper florissante. Alors en plus, les marginaux, ils gagnent 5000 euros en une journée, en 10 ans du trafic. Ils ont tous des bagnoles de machin. Ils ont développé une civilisation. Enfin, civilisation, c'est un bien gros mot, mais ils sont allés. Regardez seulement comment ils sont habillés. Des trucs à 150 euros, des baskets à 100, des blousons en cuir à 300 euros. Bon, ils viennent du vol, hein, c'est pas forcément, ils les ont pas payé 300 euros. Il y a aussi, il y a une économie à la fois complètement religieuse, donc où les gens sont très scrupuleux sur la religion. Donc c'est vraiment du halal, Puis, de toute façon, les pouvoirs publics leur ont délégué tout cela. Ils ont des abattoirs, en tout cas une industrie. Moi, j'ai un copain, l'homme le plus riche d'Algérie, Issa Darabra, c'est le premier investissement qu'il a fait en Algérie. C'est un abattoir, il a acheté un abattoir et une boucherie. Je veux dire, pratiquement déçu, parce que c'est l'homme le plus riche d'Algérie. Il pèse 7 milliards de dollars, mais c'est un ami. Franchement. Bon, maintenant, il a racheté Brandt il y a 3 ans. Brandt qui était en faillite. Il a racheté Brandt et il a sauvé 3000 emplois. Donc, il reste quand même très moderne. Mais sa première idée, quand il commence à devenir riche en Algérie, et donc il achète il fait venir ses moutons de. Parce qu'il a mis des gestionnaires vraiment musulmans, il dit non, nos moutons ne vont pas venir d'Argentine, ils ne vont pas venir de France, on va les faire venir de Tunisie, d'Algérie, parce que c'est des moutons halal. Voilà. Et puis une boucherie, alors il perd etc. Il fournit je ne sais combien de lycées, combien de casernes, combien de. C'est florissant. C'est très florissant. Il n'y a pas de pauvres là-dedans, ils ont tous beaucoup d'argent. Il faut que nous interrompions l'émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. D'après vous, quel avenir vous dessineriez pour un sujet d'origine arabo-musulmane qui hérite de cette culture-là? Quelle perspective d'émancipation il a devant lui? Moi, je n'y crois pas. Ça fait 25 ans que j'étudie, que j'enquête sur Serge. Je ne vois même pas une sorte de piste. Parce que là, ce qui me déçoit, c'est que tant que. Bon, c'est peut-être un mépris de classe, hein, comme ça. Autant on dit, bon, c'est des illettrés, qu'ils soient là-dedans, c'est normal. Mais non, c'est que maintenant, ce sont les élites. C'est des gens comme Ben Sheikh, comme. Khaled Ben Seir. Et Tariq Ramadan, c'est un milliardaire, Tariq Ramadan. C'est le top du top du top. Et il travaille avec, je ne sais pas, quand, regardez, enfin, comment c'est, Burga, là. François Burga. Je pense que l'État le paye pour tout ce qu'il fait en tant que professeur et chercheur, au maximum 3 500 euros. Il reçoit 10 fois plus du Qatar et des frères musulmans, et il est leur avocat. En ayant une petite évaluation comme ça, faite par des gens un peu qui fuinent, Il a déclaré dernièrement qu'il soutenait le Hamas. Donc il va recevoir beaucoup, beaucoup d'argent. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Lisez le livre de, comment s'appelle-t-il pourtant c'est un grand ami, qui avait été pris en otage au Liban. Malbruno, c'est mon pote, Malbruno. Invitez-le. Et il vous dira comment ces gens-là font la queue à la fin du mois devant l'ambassade du Qatar. Ils font la queue. Et il raconte l'histoire d'un grand ministre, tout ça, qui un jour va et l'engueule, l'ambassadeur. « J'ai pas reçu mon cadeau ce mois-ci. » Et il raconte ça, très documenté. « J'ai pas reçu mon cadeau, mais comment ça se fait? Moi, pourtant, je travaillais pour vous. »« Ah, excusez-nous, majesté, truc. » Donc, ils sont très riches, ils reçoivent de l'argent de partout. Vous êtes plutôt pessimiste, alors, finalement. Oui. Et puis, en plus, ils n'utilisent pas que les religieux. Regardez Karim Zeribi, là. C'est ça, Zeribi. Zeribi, oui. Vous voyez qui est-ce? Qui est là, dans toutes les émissions télé. Mais c'est un voyou. C'est un voyou de la pire espèce. Je le rencontre souvent. Parce que maintenant, il a été nommé par la Macronie
comme faisant partie de ceux qui travaillent au rapprochement de les machins et de préparer la visite de Tebboune en France. Donc à chaque fois que je sors, je le vois dans les aéroports. Peut-être que demain, puisque je ne vais pas rentrer à Alger demain, peut-être je vais le croiser à l'aéroport, allant sur Alger, puis au retour, je vais le voir revenant. Et quand il revient, les valises bien pleines, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, beaucoup de. Il n'y a que des bandits. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire qu'à la religion, on a affaire à de la politique, de la géostratégie internationale, de ceci, de cela, et que c'est inextricable. Les autorités françaises ne veulent pas mettre le doigt là-dedans. Ne veulent pas. Ils disent tant que c'est gérable. Moi, ça me rappelle toujours l'histoire du concours de parachutisme. On monte dans l'avion, et puis les parachutistes se jettent. C'est à celui qui gagne, c'est celui qui ouvre son parapluie en dernier. Alors le premier, à 3 km, j'ai la peur, il tire le machin. Puis le deuxième, le troisième, et puis le dernier, il descend, 100 mètres encore un petit peu. À 50 déjà, bon, encore un petit peu. Et 10 mètres, il dit 4 mètres. Il dit maintenant que je suis là, je saute à pied. Et on est arrivé là. Aujourd'hui, les autorités françaises. Et je ne le dis pas comme ça, moi, c'est parce qu'on me l'a dit. Macron il me disait, oui, mais vous critiquez, vous ne dites pas ce que je dois faire. Ben, je lui dis, écoutez, mais si je savais, nommez-moi président de la République. Ben, pourquoi je vais vous dire, moi, je vais vous dire ce que je sais. Mais faites ce que vous voulez ensuite. Moi, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas. Et ben, vraiment, un jour, Chirac m'a engueulé. Il m'a dit, sans ça, vous me fatiguez. Chaque fois qu'on se voit, si vous ne vous plaisez pas en Algérie, venez. Venez vous installer ici. Je dis, écoutez, monsieur Chirac, moi, j'ai le souci de votre bien-être et de notre bien-être, parce que nous sommes emportés dans la même histoire. Nous, on sort d'une guerre qui a fait 300 000 morts. Donc, je n'ai pas envie que ça revienne sous une autre forme. J'ai dit, bon, en Algérie, je n'ai pas d'interlocuteur, ils ne me reçoivent pas. Et je ne suis pas le seul à le faire. Beaucoup de gens le font ici, chacun à sa manière. Je veux dire, on peut déplorer la manière avec laquelle un Zemmour dit ces choses-là, parce que, bon, le Front National, etc. Mais il le dit. Mais qui l'écoute ? Personne. On ne va pas l'écouter. Parce que l'écouter, c'est trop compliqué à gérer. Ouais. Un homme du cabinet de Chirac, il me dit, nous recevons au moins un coup de téléphone par jour, soit du roi d'Arabie, soit du président algérien, soit du roi du Maroc. Pourquoi ? Mais hier, dans votre discours, vous avez dit ça sur les odeurs, là. Ah, écoutez, Chirac, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il n'y aura plus de projet, on va bloquer le... L'Occident est devenu dépendant. Ils reçoivent, donc chacun à son niveau, ils reçoivent des coups de téléphone tout le temps. Un mot, je pense que Macron a dû recevoir pas mal de coups de téléphone parce que nommer un homo comme chef du gouvernement pour les musulmans de France, c'est une insulte. Moi, musulman. Mon chef de gouvernement est un homo. Il l'a nommé Dati au ministère de la Culture. Ah, du coup, là, ça rattrape un peu. Voilà, vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Boualem Sansal, islamisme, immigration et impérialisme. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Guy Farget, origine et métamorphose du stalino-gauchisme. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site. Hérétique au pluriel.fr. On vous conseille aussi d'écouter, si ce n'est pas déjà fait, les anciennes émissions d'Hérétique, dont certaines recoupent les thèmes évoqués lors de cet entretien. Il y a notamment un entretien avec Martinez Gros qui s'intitule « La marche vers l'Empire », Sonia Zadig « L'individu en islam et en Occident », Daniel Siboni « L'Occident et sa culpabilité narcissique » et enfin Céline Pina « Une société multiculturelle est-elle viable ?» Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.